aussi la tablette Android Irulu X Pro qui fait 10 pouces. Donc, quand on ouvre en fait le paquet, on a directement la tablette. Donc, c'est vrai qu'elle fait grande hein, par rapport à taille traditionnelle de 7 ou 8 pouces. C'est une quad-core qui tourne en fait sous Android 5.1 avec une résolution de 1024 par 600. Comme on peut voir, la couleur est blanche. On a une caméra à l'arrière. Et on a des ports pour ajouter carte mémoire, se connecter dessus, du RJ45 et compagnie. On a aussi dans la boîte le manuel utilisateur, donc en français. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien préciser. Et un câble USB avec micro USB pour pouvoir alimenter la machine. Donc quand on allume la première fois la tablette, on a un petit message hein, qui dit Irulu, et puis on a Android qui se charge. Donc là, il faudra paramétrer en fait la tablette hein, dès la première installation, donc avec la date et compagnie. Donc là, c'est un test AnTuTu. Ça permet de voir les performances de la machine. Donc ça permet de dire si la tablette est performante ou pas. Donc là, elle a un score de plus de 16 000, ce qui est pour des jeux standards, c'est suffisant. Pour la vidéo, c'est largement suffisant aussi. Donc on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec. Là, maintenant, j'ai utilisé AnTuTu Vidéo Tester. Ça permet de voir en fait si on peut faire passer beaucoup de vidéos avec. Donc, et on voit qu'elle supporte quasiment enfin, plein de formats. Donc, 25 formats supportés. Donc, en gros, c'est quasiment tous les formats standards hein, de vidéos qui sont supportés, même en 4K, qui sont supportés par la tablette. On a trois formats qui sont partiellement supportés. Et deux formats qui ne sont pas supportés. Donc en gros, vous allez pouvoir lire quasiment tout ce que vous avez. Sinon, on voit qu'en fait, on a bien accès à l'Android Store, enfin Google Play. Donc là, j'ai fait un test avec un jeu. Au hasard, en fait, j'ai pris un des tops qui était proposé. Donc, les jeux sont fluides. Donc, cette tablette, en fait, elle permet vraiment de jouer à quasiment, enfin, tous les jeux classiques. Ça permet aussi de voir quasiment toutes les vidéos. Donc, en fait, elle est vraiment, enfin, on peut l'utiliser pour vraiment tout. L'avantage, c'est que l'écran est plus grand que ce qu'on a l'habitude de voir, donc on peut faire un peu plus de choses et c'est quand même plus plaisant d'être sur un grand écran que sur un petit écran. Et là, on peut vraiment voir que le jeu est fluide, hein. Donc c'est un jeu qui est sorti récemment, donc vraiment rien à dire. Donc, pour la majorité des utilisations, c'est parfait.